Avant, on avait dans toutes nos communes des lavoirs et c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble. Pendant que le linge séchait, on discutait. Il y a d'abord eu cette approche-là et puis après, je me suis dit, c'est sympa, c'est créatif, c'est gratuit, tout le monde peut participer, cette notion de solidarité. Et quand je suis venu ce matin fixer, accrocher le dessin de mes petits-enfants, je me suis dit, il y a eu aussi une notion de chaîne humaine. Chaîne humaine parce que j'ai considéré que le dessin, ben c'était un petit bonhomme, petite fille, un homme, une femme, et que les épingles, c'était des mains. Alors, je me suis dit, cette notion de solidarité, on la retrouve dans cette chaîne de dessin, cette chaîne humaine, en fin de compte. Voilà les raisons principales qui me font adhérer à ce projet, quoi. C'est super. Nous avons bien entendu envie de le refaire et pour prouver notre intérêt, notre implication, on a d'ailleurs mis en place au sein de la recyclerie un espace où tout le monde peut venir dessiner, peut venir créer. Et la notion de vivre ensemble aussi que veut développer Joël Gontier, on l'a fait de façon concrète. Vous pouvez venir d'ailleurs, il y a des crayons, des stylos, vous êtes le bienvenu. Alors les personnages, deux, hein, pour venir mettre. Il va souffrir, on va dire ça. Mais non.